On se connaît. On s'est déjà vu une fois. Ouais, c'est cool, hein. Et vous savez, hein, j'ai vraiment plaisir, hein. Franchement, si je fais quelque chose, hein, je fais pas pour... Enfin... Et j'ai un cœur, hein. Un cœur de paix. Vous savez ce que c'est qu'un cœur de paix? Il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît un cœur de paix. Tic-tac, tic. La paix. La paix, c'est un cadeau qu'on nous donne. Tu n'as pas la paix, tu la demandes. Eh oui, la musique, c'est un langage de paix aussi. Ou d'agressivité, bien sûr. Eh oui. Vous voyez, moi, je dors la nuit avec un métronome. Tic-toc, tic-toc. Alors, nous allons passer à notre séquence, la double croche. Vous voyez, battement. 1, 2, 3, 4. C'est grave, hein? 1, 2, 3, 4. Oui, c'est arrêté. Mon cœur s'est arrêté. Au secours, je vais le mettre en marche. Je vais charger mon métronome. Ah, c'est bon. Il repasse. Et le battement du cœur, c'est ça. Nous sommes tous un métronome, mes chers amis. Eh oui, vous savez le métronome. Nous avons tous un cœur. Soit de pierre, soit de chair. Eh oui, c'est l'amour. C'est comme ça. Ça va et ça vient, ça va et ça vient. Bon, on arrête vos conneries. Hein. Enfin, c'est pas des conneries. Je plaisante, j'aime bien plaisanter. Mais parfois, dans la plaisanterie, c'est la vérité qui sort. Chut. Ok, les enfants ou les adultes. Il y a un dicton qui dit adultes, devenez des enfants. Autrement, vous n'héritez pas le royaume de Dieu. Eh oui, c'est la vie. Ok, écoutez bien. Nous allons parler de séquence. Alors, le tic-toc, tic, dans la lettre musicale, ça s'appelle une noire. En italien, una croma. Enfin, je crois, une noire. Il noir, c'est battement qui fait. Voilà, ça l'a vu. Alors, sur un battement, nous pouvons créer plusieurs coups, des centaines de milliers de coups. Non, pas des centaines de milliers de coups, parce que là, il faut vraiment être très vite. Ah, c'est trop vite. Oh, maman est fatiguée, ça glisse, ça va pas vite. Et sur un coup, plusieurs coups. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Une baguette. Oh, et une. Je vais la couper en deux. Regardez, vous en voyez deux. Si je coupe les deux comme ça, ça me fait quatre baguettes. Pardon, quatre. Un, deux, trois, quatre. Eh oui. On appelle ça double croche. Donc si je fais 1, 2, c'est les tons, les noirs. Alors si je tape la double croche, ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Regardez mon pied. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et frisé! Donc sur un ton, il y a quatre doubles croches. Vous voyez comment on peut le mélanger? Et je peux m'amuser à faire beaucoup de choses avec ça. C'est cool, mais une fois que je le maîtrise, moi, je ne le maîtrise pas encore. Eh non, il faut du ton. Il faut aussi du ton de pouvoir travailler la musique. Mais moi, j'ai mal au bras. Je ne peux pas aller vite. Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. C'est comme ça. J'ai tout mon confort, mais des fois j'ai mal. C'est pas grave. Mais j'ai de plaisir à faire, de plaisir à vous montrer comment on le fait. Ok? On va refaire encore une fois la double croche.
double croche, ça fait 1, 2, 3, 4. Ou on prend chanter 1, I et D. 2, I et D. C'est facile. Pensez 1, I et D. 2, I et D. 3, I et D. 4, I et D. Voilà. J'ai fait 4 mesures. À la prochaine. Bye bye les gars. Et les enfants, travaillez bien, assistez. Hein. Le casque, n'oubliez pas, les oreilles. Oh là là là. Les voisins, on s'en fout. Mais nous, on s'en fout pas. Ciao.